que je n'ai pas pu lui donner un enfant? Puis encore, Iran était insolente à son égard. Elle est allée porter une grossesse où elle ignore l'auteur. C'est pourquoi nous sommes ici. Je m'en fous de vos problèmes. Que ton mari te chasse, que ta fille soit enceinte, il se peut qu'elle soit la fille de mon mari. Madame, disparaissez. Depuis plus de 30 ans de mariage, Ndoumbo n'a jamais eu le courage de me dire qu'il avait un enfant hors mariage. S'il te plaît, madame, regagnez le dehors. Il n'y a pas d'œil ici, c'est mon domicile. Henriette. Je vais bien, Julie, je vais bien. Et toi? Très bien. Tu as préparé quoi pour qu'un fac aujourd'hui? Pardon, ne me parle plus jamais de qu'un fac. Qu'un fac m'a dit à maintes reprises que je ne valorise rien sous ses yeux. Par conséquent, je n'ai plus besoin de prendre soin de son bien-être. Maman, qu'il mange ou pas, je m'en fous. Les hommes sont méchants, hein? Ma chérie, tu ignores quoi? Les gens sont méchants ici dehors. Lorsqu'un homme traverse le pont pour cette ville, la méchanceté prend contrôle de son corps. Ma, est-ce que tu sais qu'Ndoumbo a un enfant de 25 ans au mariage? Pardon? Wow! Mais attends, tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Ndoumbo n'a pas le courage de dire la vérité à sa femme. Il a fui pour aller se cacher. Hey! Wow! Quel Congo ça, je vais faire au quartier maintenant. Ma, pardon, invite-moi chez toi. Allons, allons, allons à l'intérieur. Julie, mais que fais-tu ici? Quelle question. Je te rappelle que c'est ici que je dors. Et tu devras aller dire la vérité à Rémi. Papa, tout le quartier sait que tu es le père d'Irène. Tu seras bientôt grand-père. Julie, j'ai honte. J'ai menti Meringue pendant plus de 25 ans de notre vie. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas la vérité qu'elle va découvrir. Mais c'est le sentiment qu'elle éprouvera. La frustration, la haine. Comment me considérera-t-elle de mon avant? Continuera-t-elle à être impliquée dans le couple comme avant? J'ai peur du changement que cette vérité peut orchestrer dans notre vie. Je te comprends, Père Ndoumbo. Sois fort. Hmm? Sois fort. Ah. Angèle, où étais-tu? J'étais cherchée en vous. J'étais au village pour les funérailles. Et comment se porte la famille? Tout le monde se porte très bien. Super. Tu as raté les nouvelles du quartier. Ah bon? Ah. Pardon, maman. Plaît. Maman, Ndoumbo l'aurait-été avec une fille qu'il a fait avant de se marier avec la mère de Cathy. Et personne ne s'en doutait. Aïe! Le comble, c'est que la fille est enceinte et le gars l'a chassée. Elle est donc venue s'installer chez lui. Merde! Ça, c'est grave. Et comment Cathy et Meringue ont pris la nouvelle? Ah, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Meringue est déjà là, elle ne s'en sort pas. Ndoumbo touche sa pension de tête, il est au bas avec les petites filles. Avec l'arrivée de la fille à la maison, elle va seulement devenir folle. Mais de toutes les façons, c'est bien fait pour elle. Elle est montrée partout qu'elle est une femme exemplaire. Toujours en train de dire mon Ndoumbo, mon Ndoumbo. Mina, adieu. Attends,
vigilé. On ne mange pas dans cette maison aujourd'hui. Pourquoi tu me poses cette question? À qui devrais-je poser la question? Tu n'es pas la seule femme de cette maison. Je suis la seule femme de cette maison, c'est vrai. Mais tu as raconté partout dans le quartier à qui veut entendre que je suis que ton colocataire. Maintenant, tu viens me demander à manger comme si j'étais ta femme. De plus, tu sais très bien que je ne sais même pas cuire un œuf. En tant que mon colocataire, tu dois tout de même me faire manger. Va demander à Cathy de venir te faire à manger. Mais ça, c'est elle que tu aimes en secret. Et tu racontes partout qu'elle est belle et intelligente. Où sont les 3 000 que j'ai laissées sur cette table? Ces 3 000. Julie ne me cherche pas. De toutes les façons, regarde bien ton argent. Peut-être la souris a emporté. Julie ne me cherche pas. C'est comme ça que tu me parles? Là, tu bois. Ah, merci Angèle. J'avais très faim. Figure-toi que la femme de mon père n'a pas fait un repas depuis 3 jours. Merengue. Fais un repas pour 3 jours. Non, je ne crois pas. Comme je t'ai dit là, elle ne se soucie même pas de mon statut de femme enceinte. Ouais. Tu sais qu'en ville, ce n'est pas aussi facile. Elle est moyen en retraite. Et Merengue ne fait rien. Malgré qu'elle raconte au quartier partout que mon mari était un ancien retraité, alors que tout le monde sait le calvaire qu'elle vit chez elle. Cathy est assez grande pour subvenir aux besoins de ses parents, non? Là, pour Cathy, je ne sais rien d'elle. Franchement, je ne sais rien d'elle. J'ai le sentiment qu'ils ne vont pas me garder ici. Je me rends compte à présent que j'ai commis une grosse bêtise. J'aurais dû écouter la bouche de ma mère. Le comble, c'est que j'ignore le père. C'est pas le moment de se lamenter, d'accord? Ça va, ne pleure plus. Ne pleure plus, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Cathy, je te présente Irène, ma fille. Les mots me manquent pour qualifier le mensonge que j'ai gardé pendant plusieurs années. Je ne saurais comment me justifier. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. C'était une erreur. J'ai trompé ta mère avec Adidja. Et par la suite, l'enfant est arrivé. Elle a décidé de garder son enfant. Je pense que c'était une bonne idée pour elle. Car c'est le seul enfant qu'elle possède aujourd'hui. Donc je suis une erreur de la nature. Voici aussi mon fils qui sera aussi une erreur de la nature. Finalement, c'est un cycle. Le père abandonne sa fille. Plus tard, sa fille tombe enceinte, que le père de l'enfant l'abandonne aussi. Vraiment, les hommes. Papa, tu n'as pas honte d'avoir abandonné ta fille? Ne me jugez pas. La vie n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Adidja, tiens,
Voilà 10 000. Tu vas payer le transport pour aller rejoindre ma mère au village. Elle t'accueillera et elle te gardera. Juste le temps que tu trouves du travail et que le bébé de Irène naisse. Nous n'avons pas assez de place pour vous garder ici. Nous nous débrouillons juste pour payer le loyer. Andomo, tu ne peux pas me laisser rentrer au village. Aie le courage de l'appeler papa. Tu sais ce que signifie le mot père? Cet homme n'a jamais été un père pour moi. Et aujourd'hui que le destin nous a réunis, il veut me renvoyer au village. Nous ne pouvons vraiment pas vous garder ici. On se plie seulement en quatre pour survivre. Ferme ta bouche! N'est-ce pas que tu as eu la chance? Irène, portons nos sacs et partons. Tantôt, tantôt, et donc, ouais, maman, pour que le roi tantôt, ouais.